Ma Mission TV, le miroir du monde. Ndeko Prince Epenge, nali kambo etali présidence ya CENI, selon vous, président ya ADD Congo, nini ezali ko kabola ba papa molimo topé ba chef ya ba confession religieuse. C'est parce que belé ba miibi. Pardon? Ba chef ba confession religieuse belé ba miibi. C'est Roland Dallo, atali pasteur ya Félix. Moi, je vous dis, Prince Epenge, que vous mettez Roland Dallo, qui est pasteur de Félix, c'est président de la CENI, moi j'accepte. Mais. Il reflète de valeur. Garçon, il est dans la CENI. Monsieur Dodo Kamba. Oui, Koya, et ya. Maintenant, comme la Bible le dit, mon peuple périphérique de connaissances, disons les choses telles qu'elles sont. Quand vous regardez ces garçons, quand vous regardez ces garçons là de Don Kamba, tu peux faire confiance à un tel monsieur. Moi là, mon avenir, moi, c'est monsieur. Descendant de Lumumba, Prince Epenge, moi je vais ces garçons là de Don Kamba, moi je vais laisser mon avenir. L'avenir de ce grand Congo, tel que Lumumba a réveillé ce grand Congo, tel que Lumumba a réveillé ce grand Congo, tel que Mpavita a réveillé ce grand Congo. Nous avons laissé l'avenir de ce grand Congo. Monsieur, c'est un chef. Il y a ma confession religieuse. Maman, je ne suis même pas sûr que ce gars-là prie. Ngala se sonni ba ngiba bomanga na kambo Albert à 15 ans. Ba ngiba remplacer mutu ya tribu na seni, mutu ya tribu moko na mukonza mboka na seni. Plutôt na pas la seni, na ba confession, il y a l'église de réveil. Wenge elle, vous voyez l'église de réveil. Ils allaient wenge elle l'église de réveil. Wenge a dedo kamba sikawa. Zakana wenge ya ya soni kafuta. Et soni a tiamo. Abi nga balingi ba la passer mutu ya tribu na église de réveil. Tribu ke na ba église nyos. Église o esa ka mwa moke te défendre cause à peuple ya le bosso ya l'église catholique. Ça il faut se le dire. Ça l'église catholique Kabila ne serait pas parti. Si Chole ne se rappelle plus du principe biblique qui dit que ton oui reste oui, que ton nom reste nom, tout ce que vous ajoutez par la suite vient de qui? Diable. Vient, et vous n'avez pas Zapo. Ce qui chole à Bossani Malubayoana, c'est que c'est très grave. Est-ce que les Chole et les autres ont-ils tiré des leçons? J'ai même l'impression qu'à un moment donné, ma confession religieuse, ma confession religieuse, ma kamba, na ba nanyuana, ma komiko c'était la crise des Anamboka. Obligé, maman, tant qu'il y aura crise, on va toujours la vedette. Maintenant, on parle plus d'eux que même des acteurs politiques. Bissoba, tu as d'accord, était signé en 2018 et Salim Moussala Malamote. Mon conseil, tu as dit, il est là, Félix, tu as dit, bonsoir, il est là, il est là, Félix, il est là. Mission TV, le miroir du monde. Eyé, du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasolo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors conquérant, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleur selon votre choix. Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96
et Salimananouté. Le complexe hôtelier Tremble Royal, le confort et les nôtres sous Kanamasolo. Chez Tremble Royal, Kanoka Kae. Vous alliez bien écouter dans ma mission TV, le miroir du monde, la Pessibino Mbote. Bici Kanyon Sobozoami, pour Nakola Nabisho, merci encore une fois à Nabandeko Nyon Sobazara, toujours fidèle, na chaîne Nabisho et information, Denge Tolobaka, tous alliés liso Nabino, ici qu'information, et Isali, Lito Inabino, Marco Lunabino, Kokita, en temps réel pour Nakomeme la Rabino, ba information, Nyon Soyamboka, Congo, ba pro Congo, Bici Kanyon Sobozali, na Pessibino Mbote, et puis merci beaucoup. 13 millions, Bazali Kotang a bongo na katia détournement et Makambo Itali. Chile Gelou, le projet Chile Gelou, au Mokonzambo, ka Félix Antoine Tshisekedi, Yauta ki bongo ko lancé yango na ngambo ya Terre Jaune. 20 millions, Bazali Kotang a yango na détournement ya bongo, oye bongamaki, pour na ba soldat na likambo Itali des sièges. Merci beaucoup na mwana mboka Gila Lingete pour na mwa phrase o ya utaki kotalisa biso ya lobby na kati ya République démocratique du Congo on dirait compétition et détournement ya ba millions ezalaka. Likambo etali seni ba na mboka Congo ezali toujours kotika kimia te na mitu ya ba congolais polémique topé débat ezali ko continuer na sens ya koluka koyeba nani akozala le prochain président Nangambo ya Seni, topé les successeurs de Nanga Corneille. Union sacrée nakati ya Bokamba mina yango ezali bloqué, nani azali ko bloqué question mark tokosolola yango ndeko chole Nangambo na ye azali ko traité quand la mouka ya Martin Fayulu des extrémistes. Alors na kati ya plateau na biso alelo tozali na mwana mboka Prince Epenge président ya ADD Congo na ye de tokosolola ba point ebele penza oyo na uti bongo kota lisabino azali na biso topesie mbote ndeko Prince Epenge mbote madame Bimbote na bai bansa ba kolanda biso. Ah tozali kolanda awa na kati emission na biso mokolo ya lelo na kolinga tobanda nano na kati ya parti na bino misusu balobi maman bibi soki oyambeli biso ndeko Prince Epenge tuna e nano adresse ya parti ADD Congo ezalaka wapi? Est-ce qu'ils allaient parti malette to ezali penza parti ou ezali reconnu na République démocratique du Congo? Bah ADD Congo Ezali na siège na yango na avenue de l'enseignement 191 en face ya ancien siège ya hôpital Camere OK si kay wana komona siège ali komona banderole wana photo ya ndeko Prince Epenge na président Eli Martin Fayulu Ezali wana réunion exécutive pour des raisons de facilité chaque dimanche à 14h au coup de siège à l'île plein à craquer dans la représentant de la fédération Nyonso, la sous-fédération à Kinshasa, la représentant de la cellule Nyonso de Congo, bureau politique exécutif chaque dimanche pour tous ceux qui veulent venir réfléchir avec nous parce qu'à l'île Congo on ne vend pas, bisepa na biso batoya kobinaté. Batobaya pour apprendre comment insulter. Chez nous, on dit c'est une association de cerveaux pour produire une réflexion de qualité. Ce n'est pas une association de miscres. D'ailleurs, même une notion, il y a parti malette, ils allaient bâtir en brèche. Parce qu'un parti politique, ils allaient nombre, était avant tout. Un parti politique, il allait avant tout qualité, il y a ba idée. Il y a une réflexion. Au moins, il y a un téléphone qui est en train. Il y a une muscle qui est en téléphone. Réflexion. Il y a des gens qui ont réfléchi. Thomas Edison, qui est en début du 20e siècle, il y a des gens qui ont mis 30 à 40 ans pour réfléchir pour le téléphone. Et comme ça, ils ont été autorisés à utiliser ce téléphone. Donc, derrière ce téléphone, il y a une intelligence. Et l'intelligence, c'est cette capacité qu'on a. Il faut trouver la solution. Et la capacité de réflexion. Donc, ADD Congo, tu as lié pour l'instant un parti de masté. Parce que les gens ne savent pas que normalement, dans la typologie, il y a un parti. Il y a un parti de masse, un parti de cadre.
Mais que vous soyez une partie des masses comme une partie des cadres, réflexion fait à la filigrane nabino. Malheureusement, partie belé compte aussi les nombres, mais pas aussi les intelligences. Conséquence, beaucoup de pouvoir beaucoup mieux briller dans la protestation. Donc, quand vous êtes au pouvoir, vous gérez, vous mettez en exécution les idées que vous aviez quand vous étiez à l'opposition. Donc, nous sommes un parti qui fonctionne bel et bien et dans toutes ces entités. Seulement, on nous a habitués à Makele et à Wiz, dans la partie politique. PPRD, IDPS, Sikawa. Mais force, il y a un parti, ça a rappelé à Port-Monnaie, il y a un Mboka. Mais bien sûr, bien sûr. Mon collègue, j'ai dit, oh, tu as une cité de Monnaie, il y a un bilingue à Lucha, il y a un siège à l'aide de Concombo, il y a 8 heures déjà. Il y a plus d'une centaine de gens qui sont là. Mm. Bah, j'ai prêt pour nous manifester. Parti à Monnaie, vous allez parler de l'Ango, na rapport de force, vous allez parler de l'Ango, na nombre de personnes. La logique est, et les principes, la politologie voudrait que à l'issue de l'élection, de Bakouye, parti à Monnaie, na parti à Moké. C'est à l'issue, il y a une élection démocratiquement organisée. Mm. Ça veut dire que le prince Pengé, il a été chouchou à Bakinois, chouchou à Congolais, et puis il attend une élection. Mm. Bah, on a que le prince Pengé, le coup d'élection 2018, a été mis candidaté. Ces élections-là. Non. Ces élections ne peuvent pas être prises comme une référence, comme une base. Mm. C'est pourquoi souhaiter la bisson à Katia ADD Congo. Souhaiter la bisson à Katia Dynamique pour la Vétésine. À Katia Lamouka. Ah, mon konzi Amboka. Il y a Solo, Martin Fayoulou. Ah bon, je souhaite à Bissou Yali pour la première fois dans l'histoire de ce pays. Tout ça nous bat au centre. Siffler et ça véritablement dans mon nom, il y a peuple. Tout ça nous vraiment qu'on gagne. Tu sais, ce qui Félix Azaka Mouana a tissé qu'il y a Solo. Je dis bien, ce qui Félix Azaka Mouana a tissé qu'il y a Solo, c'est le temps politique. À moins que Étienne Tshisekedi ait escroqué les Congolais politiquement. Mais si Étienne Tshisekedi, depuis Bibli et Kulubaka, avait mené les bons combats politiques et que Félix était un bon héritier, aujourd'hui, malgré Aoutina Ndenge ya Kimoibi, le meilleur cadeau qu'il aurait donné aux Congolais, c'est les élections où il n'y a aucune contestation. C'est-à-dire que les vrais vainqueurs sont publiés. Les vœux perdants est publié, on n'en parle plus. Alors, malheureusement, la question qu'on se pose tous, quand on a vraiment un cerveau dans cette tête, et la question que Batou Alibanda Péakatiba retourne dans le Congo, a-t-il mené un bon combat? Si la réponse est oui, comme moi je le pense, pourquoi en sommes-nous là après son départ? Est-ce que c'est l'héritage politique qu'il a laissé qui est mauvais ou c'est ses héritiers politiques qui sont mauvais? Est-ce que c'est les deux à la fois et l'héritier et l'héritage politique qui sont mauvais ou bien c'est l'héritier qui est mauvais mais l'héritage politique est bon, quitte à chercher maintenant les bons héritiers pour amener le combat, ou c'est l'héritier qui est mauvais, plutôt l'héritage qui est mauvais mais l'héritier est bon, quitte à changer cet héritage? Je pense que moi, personnellement, je ne sais pas si je suis en politique. Tant que je suis en salami, et je suis en salami, il faut des années ratées. Mais il faut des proportions négligeables. Alors, on décompresse. Et la MOCA, vous avez la première plateforme. Et SID, vous avez la première force du pays. ADD Congo, vous avez la troisième ou quatrième force. IDPS, vous avez la sixième ou cinquième force. Vous avez la première force. Malheureusement, dans le contexte, il y a l'élection en 2018. Si le plan politologique, la plus grande plateforme est Ali Lamouka. Alors, l'homme le plus populaire reste Martin Fayoulou. La loi CENI. Ce n'était pas le cas. La loi CENI, au Bozali Kotalisa, Nakati, la loi Wana et Sengeli Bongo Nako Kende, pour Nakotalisa, Nengeni Nyako dépolitiser CENI. Nakati wana, et le konon lingana zongi sa moke comme question.
Et ça dit, c'est une loi déjà promulguée par le chef de l'État actuel, Félix Antoine Tshisekedi. Tant que vous allez côté de cette Sengeli, na kozonga sima, na loi wana, ndenge nini ko salema. Oui, c'est possible. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a des lois qui sont payées, belées, votées en gros, mais qui sont inopérantes. Pour la simple et bonne raison que les lois, on ne les fait pas pour des cochons ou pour je ne sais pas quel type d'oiseau, parce que de toute façon, ils ne vont pas les exécuter. Les lois sont faites pour des hommes. Et les lois viennent répondre à un besoin. C'est pourquoi les faits précèdent les droits. Les droits, peut-être le bon sens, la morale, ça, on peut dire, voilà, le bon sens, on n'a pas besoin de faire les droits pour savoir là où il y a le bon sens. Mais le droit n'a pas toujours existé. C'est un rapport socio-nabisso, un rapport entre les gens, tout le monde, les Rousseau, Naba Lokes, bah chercheur, bah philosophe, bah savant, bah l'obaka, bah scientifique, bah l'obaka, tout ça qu'on a jungle, la jungle est loin de la cité. Mais tant que tu commences à civiliser, tu vas nous commencer à battre tout le bino. À un moment donné, rapport en dana au bibi, ceux qui te régler à côté, te réglementer à côté, le coup en gai prince pingé na ma casse coli kayo, na kouya na zuba kamera noa tout na kayi nango. Mais pour na ilo kwa na ezalate, na na za lupo na yote, tu vis tu tiens loi. Ouezali anga, ezali anga, ouezabib, ezabib, ouezali tengana yo, ezali anga tengana, on peut partager ensemble. Donc, la loi est encore dépendante d'un besoin donné. Mobeko oyo, monsieur Félix Tshilombo, Salina, Tata Yewa, Namboso, il répond de la nécessité nini. Tout ça, comment on va réformer? Pourquoi réformer? À ce que je sache, verbe réformer. Verbe réformer est un verbe transitif qui veut dire changer en améliorant. Bon, pourquoi sommes-nous arrivés au besoin de changer? Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse dire non, il faut que vous vous c'est que nous voulons améliorer. Mais améliorer par rapport à quoi? Il y a un instant, un tas T0, donc on a T1. Tu dis que bon, voilà, parce qu'on est conscient que Maïma Salamaki avant et à la Kimabé. Bon, yo, maman Bibi, je n'ai pas de pensée sangona, yo, le loté. Je n'ai pas suffisamment informé. Et le konini, oh yo moni na mobeko yo anaba bongoli, oh yo salete se ni à 2023 et à la malam kouleka ya 2018. Parce que changer en améliorant veut dire to bongi sa, et comme à malam kouleka. Pour to bisoba to toi d'accord te se ni à 2018 et salim moussala malamote. Mon konzo to yin a elelo Félix, mon to al bosso a ybe tayaki nomé et ali Félix yé moko. Ba député ou wana nyo so to lobaka na yango na bande ko na biso ide pestete 80% ba député ba ki non. À la veille des élections nanga benga même ba to katumbi mususu na kati kaka ya ndako ya to yakina la mukana ba mususu ba complice ya nanga na deux ya président Eli Martin Fayulu ba benga bango to pesa mino autant de députés ide pest beaucoup autant de députés et FCC beaucoup autant de députés. Tu le dis, non? Volonté un peu plus agréable, respecté. Il y a un autre qui dit, pour savoir que bon, la CNI est là. Si tu es libre, tu dis, mon béco, il va sali à ta pelle au côté. Il y a un autre qui va voter en gros et c'est s'il est. Il va sali mon béco pour la Nyamate. Le coup, il va se faire battre que bateau va se payer dans un côté. Et c'est un gars qui est au sima. Kuzonga sima, il y a un peu pour obtenir glissement parce qu'il y a un discours. Binon de Bosali Kotluka. Likambo a glissement pena esane ma pote bo lati sande ko Félix Antoine Tshisekedi. Et bataille de pèse, ben on se kavou ya se kavou ya tout ça parce que pèse c'est la mère du mensonge au Congo. Formal. Peut-être voilà. Tu sais que les années 80 alors que IDPS zaki non a ba l'idée n'angoa mené parce que IDPS ya lelo et ça IDPS tout accompagnant qui était IDPS kabou ya kabounde kazadi et tout ça. Non, c'est pas ça notre IDPS. Il dépasse tout à accompagner qui n'a pas besoin de ce que des aïe. Il dépasse au héritage ou t'as pas bah j'ai mon papa tient ce que mon papa à son âme bah grand leader bah qui ben intelligence bah savant bah qui n'a qu'à tirer wana qui basa liaou et les autres. Il dépasse au monde qui va cerveau et ça qui il dépasse kabouya kabounde n'a absolument rien à voir. C'est entre les jours et la nuit. Même en termes de réflexion, il y a
homogénéité, il y a représentativité à la tribu, sur tout ça. IDPS, il y a Kala. IDPS, il y a solo Tika, il y a 95 déjà. IDPS, il y a Kili. Différence, il y a un peu de temps. Il y a un débat, il y a rien que quand on a façon, il y a réflexion. Je veux dire, une certaine intelligence dans la façon de faire la politique. Rien à voir. Alors, rien à voir. Alors, Nazomi, beaucoup reculé. Parce que président de la République et sa promulguée. Je disais que loi il y a 2000 loi plutôt la CENI a 2000 l'organique c'est la CENI a 2018. Et ça là que tu as voté en 2018 non? Il y avait une ancienne loi. Elle dit que on part du principe que il n'y a pas eu de réforme. Parce que même la loi va promulguer c'est quoi? Dans l'élection au Yukon 2028, je touche à moi. Donc on peut retoucher la loi même 6 fois. Tant qu'elle ne répond pas à la question de est-ce qu'on atteindra l'objectif poursuivi par cette réforme-là. Si l'objectif ne sera pas atteint plutôt, on peut toujours réformer la loi. Mais le loi, c'est le gabino balobi bozali ba ne parce que loi lutundula oh le loi qui bon on a promulgué par le chef de l'État lobi tango bozali qui na bango na opposition bo soutenir qui yango nini ezali ko sala ke lelo bo soutenir yango te parce que yé lelo a koti na kati ya pouvoir to parce que bozaka kana posate ba élection installée en 2023 bo kende na dialogue. Non non, tu sais que la forme qui parenthèse moko bo même malheureusement en me posant une nouvelle question dans le mois qui m'a manqué dans Zéla, je disais que depuis les années 80, na katia IDPS va d'accord option ya koko ça officiellement pour prendre le bas. Ce qui est plutôt fragilisé régime à Mobutu et fait koko ça. Et le mensonge a été imposé, a été un choix délibéré des cadres de l'IDPS depuis les années 80. Malheureusement, arrivé au pouvoir par la fraude, Azéus s'est montré que non, si car tu commets le pouvoir malgré na kidinga ki muibi, tu tika koko ça. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer et c'est pas les actes que nous posons et les résultats que le peuple nous juge. Malheureusement, IDPS est venu au pouvoir par la pointe des pieds. Hey, écoutez, est-ce qu'il y a la pointe des pieds et le baron, le bisot, le dimakalola, pour le tout le gouvernement, encore une fois, un gros mensonge de l'IDPS. C'est-à-dire si les principes, nous étions d'accord avec le Tundula à l'époque, évidemment, Kazaki n'a pas son appel à la Mouka. Le principe est la réforme. Mais il ne faut pas faire l'apanage de la Mouka. Même les contestations sur ce que le balélo. Il y a des gens qui sont là, dernièrement. Lucha, il y a des gens qui sont là. Echa, il y a des gens qui sont là. Moi, qui m'a élevé le lot, moi, un activiste, il y a Echa, il y a menacé de mort. Donc, il y a élevé le lot, il y a 5 secours. Pour que tu aies télémé, ma camoto fait ça comme ça, tu as télémé, il y a menacé de mort. Et les jeunes décidaient. La confession religieuse dans mon SCC, Senko, et Sesanga, membre de l'Union sacrée, qui a bâti campagne pour Félix Tshisekedi au Kassai. Le loi Zanabino dans la Mouka. Non, Sesanga n'est pas dans la Mouka. On va y arriver. Sesanga a un ministre au gouvernement. Torokoma. Donc, il peut pas être dans la Mouka. Torokoma. La Mouka n'a aucun gouvernement, n'a aucun ministre, la Mouka n'est pas au gouvernement. Alors, c'est-à-dire que la majorité des gens disent, le peuple lui-même, la dernière sondage, il y a ma confrère Nayo. Il y a un cabinet d'études et des targets. Et il y a publié partout. 70% de la Congolais, il faut qu'on dépolitise la CENI. Dépolitiser la CENI veut dire quoi exactement? J'ai suivi, moi je suis politologue de formation. J'ai suivi, je ne sais pas si on peut encore l'appeler professeur, tellement il est dans, beaucoup dans la folklore. Mais c'est Mbata. Qui malheureusement, c'est pas ce qui le pouvoir aboutit les gens. J'ai l'impression, parce qu'il y a des gens comme ça que nous invitions à l'époque, et notamment, M. Mbata, quand nous étions, nous avons invité le caméra dans la plateforme Moko, souvent la RDC. Moi, parfois, me donner des invitations pour la routine de Mbata, je l'ai trouvé intéressant, percutant, assez profond. Mais quand on a comme on a Mbata est devenu l'homme de surface par excellence, quand il s'agit de la réflexion, ça m'étonne. Ça m'étonne. La CENI n'est pas une institution politique. Quand nous avons la constitution, tant qu'il y a une institution, il y a une institution politique. Parce qu'une institution, par définition,
dans une certaine mesure, c'est tout ce qui est créé par l'homme, à l'opposé de ce qui est créé naturellement. Mais ce n'est pas tout ce que l'homme est créé naturellement qui est institution, mais il faut qu'il y ait des caractères distinctifs. Il faut que ça dure, il faut que ça soit organisé, etc. Mbata qualifie la CENI comme institution politique parce que selon lui, la CENI produit des hommes politiques. Non. L'institution CENI est appelée une institution d'appui à la démocratie. Mm. C'est une institution citoyenne. C'est les mécanismes par lesquels les peuples trient, examinent et choisissent ceux-là qui sont censés travailler pour lui. Dans le bagage toujours que la démocratie, on a d'abord concevé le peuple africain, Prince Epengue. En réalité, l'élection est allée au moment où tout que dans la politique, il y a demande d'emploi, il n'y a pas de peuple. Mm. Parce que pour moi, dans le paradigme, le politicien est mon gamba, ou le politicien est censé être mon gamba. Mm. Voir le de peuple. C'est que l'élection est un moment où tout que dans la politique, il y a demande d'emploi, il n'y a pas de peuple. Peuple, il y a Prince Epengue, il y a un salaire, il y a le coup là, député national. Tu as la maquination, il y a un groupe là, il y a un voie. Peuple, au lobby mine, peuple au lobby, bah idée à Prince Epengue. Par exemple, dans le bac à Prince Epengue, dans le lobby, avec des Nangaï, des Congo, les Ngoma Nangaï, Tokosa, syndicat et la police. Bilenge, au lobby, il y a un misalate, et c'est que vous créez la formation professionnelle Mingi. Au lieu de retenir la banne à Mingi, il y a l'université. L'université, ça va prendre la bateau banque sauté, et c'est que l'école et la formation professionnelle et à la belle école de l'université. Nala ma kansilanga au prince Epengue chaque jour na koti taona ko kenepa na kinga bwana ke mumbele na ke munga fura na iba umbuli ngwala na tali na ke kinseso na bite ba jeune obo bango nyose boku université te ni ne sengeko sa pona bango le lengeli ne sengeko si sa sekurité insécurité na kisa je moi j'ai réfléchi OK et donc ils ont ken ngo na tama campagne na bi peuple na ko ma député ta la proposition na ko ngosta na parlement mm peuple obité prince Epengue na ma kansimalamu na pesa ile kasa na ngai. L'élection, c'est ce moment-là. Au Mungamba, Ngaï, peuple, serviteur, peuple, n'a qu'à pas n'aïe, n'a pas de confiance. Le président s'appelle Olenge Moko. Donc, l'élection, considère ce sens-là, ne peut pas être une institution politique. Alors, c'est un moyen pour arriver à donner au peuple, plutôt, un mécanisme à couper sa peuple, Mungongo, à décider. Ndé comprend ce pingé. Dans le Kambo Itali, président Siaseni, selon vous, président, il y a ADD Congo. Nini ezali kokabola ba papa molimo topé ba chef ya ba confession religieuse. C'est parce que belé ba miibi. Pardon? Ba chef ba confession religieuse belé ba miibi. Mm. Certains sont même des escrocs. OK. Si. Tu sais que ce pays, nous sommes toi et moi, madame Bibi, nous sommes victimes du mensonge. Mm. Il y a langue de bois. Nous sommes des victimes, il y a le kouta, la hypocrisie. On veut à tout prix être politiquement correct. Oui, il y a maintenant, comme la Bible le dit, mon peuple périphérique de connaissances, disons les choses telles qu'elles sont. Moi, quand je raconte mes amis de l'IDPS, je leur dis, c'est vrai, Bouye Nandega Kimoyibi. C'est vrai, Bouye Nandega Lukuta. C'est vrai que vous avez craché sur toutes les valeurs que vous avez défendues. Si tant est que l'IDPS avait défendu des valeurs. Mais vous avez une opportunité. Peut-être qu'il y a un peu. Même si dans l'histoire, il a dit que Félix a été nommé par Kabila. Mais l'histoire va retenir aussi qu'après avoir été nommé par Kabila, il a tenté quelque chose. Malheureusement, quand on vous voit, bah, conseiller envoie Félix. Dans ma boîte de nuit. Ma conseil à Félix, ma commis ma meilleur s'appelle. Ma conseil à Félix, dans ma voiture à présidence, dans ma bar, dans ma cousu et tout ça. J'ai dit, quel gâchis. Non seulement que vous avez le temps de la songa makolo, vous avez le pouvoir de la songa makolo, dans le nga kimouibi. Mais au lieu de dire, toi, ça l'appelle un peu humble. Non, c'est vous qui êtes, vous commis par les nouveaux riches partout. Je leur dis chaque fois ça. Bah, papa Milimo, si on peut encore les appeler papa Milimo, maman. Tu veux dire papa Nini? Bon, parce que je veux dire que je suis le
les hommes de Dieu. Et nous, nous sommes quoi? Nous sommes qui? Les hommes de Satan. Les enfants. Et ils sont les ouins. Et nous, nous sommes quoi? Les maudits. Non. Quand vous regardez ces garçons, quand vous regardez ces garçons-là de Don Kamba, tu peux faire confiance à un tel monsieur? Moi là, mon avenir, moi, c'est monsieur. Descendant de Mumba Père Sepengé, moi je vais, ces garçons-là de Don Kamba, moi je vais laisser mon avenir. L'avenir de ce grand Congo, tel que Mumba a réveillé ce grand Congo, tel que Mumba a réveillé ce grand Congo, tel que Pavita a réveillé ce grand Congo. Nous allons laisser l'avenir de ce grand Congo, monsieur. C'est un chef, il y a ma confession religieuse. Maman, je ne suis même pas sûr que ce gars-là prie. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ce type-là était chrétien. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que la Bible et le BT, quand ce messier-là, comme vous voulez, si vous voulez que tu fasses plaisir, a dit PV, il y a réunion. Imaginez à Kéhi Naoko déposer à mon assemblée nationale, lui que vous qualifiez d'homme de Dieu, ne sait pas que selon l'article 17 de Nabango, il y a charte de la confession religieuse. Président de la confession religieuse, na vice-président, de Bazali habilité, il y a comme un PV, procès verbal. Côté Kayango, na président de l'assemblée nationale. Normalement, c'est même configuration, même cas que l'on a été, que l'on a été, que l'on a été, procédure à Malonda. Vous nous avez accompagné, vous les journalistes, vous devez avoir la mémoire de ce que c'est dit et de ce que c'est fait. Et vous avez cette mémoire, je vous fais confiance, Madame Bibi. Tout va accompagner, quand vous savez tourner, va communiquer à la Mouka. Non, non, et pas à Sonny Kafuta. Sonny Kafuta. Sonny Atalinga Boy. Sonny Kafuta, je le cite. Atalinga Babi. Dès qu'on a pensé à la télévision, on a dit que c'était un homme qui était là. Moi, je l'ai dit, je dis ce que Sonny nous a dit. Tu as un homme qui était là. Dès qu'on a eu un homme qui était là, accompagné à Bissou. On a été là, 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 on a été là. Beaucoup des hommes de Dieu ne sont pas sérieux. On a dit que Sonny a été là, on a été là, Albert a 15 ans. On a été remplacé, on a été là. Na seni mtakribi moko na mkonza mboka na seni plutôt na pas na seni na confession l'église de réveil wenge elle vous voyez l'église de réveil ils allaient wenge elle l'église de réveil wenge avait donc kamba sikawa zakana wenge ya Sonny Kafuta et Sonny a tellement abi nga balingi de la passer mtu ya tribu na église de réveil. Seigneur, le Bible, il se bat toujours dans l'enveloppe. Seigneur, il dit. Seigneur, il dit. L'enveloppe, il dit. Kaki, il dit. Il dit. Il la présidence. La présidence, c'est à Kabila. Il y a Kabila. Malonda, tu bandes qui n'a procédé et tout ça. Nous ne disons pas que Abbé Chole est parfait. Tu veux dire que c'est la distinction. Tu veux dire que Naba, l'église est Nyosu. Église où est ça comment moquer et défendre la cause du peuple, il y a le bosso, il y a l'église catholique. Ça, il faut se le dire. Sans l'église catholique, Kabila ne serait pas parti. Sans l'église catholique, le combat ou peut-être le lot toujours. C'est vrai qu'il 50-50 na IDPS, le lot basaliko tali sabiso en haut, à chaque fois tu es basaliko aux paroles, les Kambo Itali, l'église catholique. 50-50, on a Kabound, c'est mon frère, Jamais Kabound qui l'avait dit. Jamais Kabound à l'époque. n'avait pas encore un langage politique en réalité. Vous savez, Kabound, nous, on n'a pas combattu avec lui à Kinshasa. C'est de combattre Mingi, Jacques Meshabani, Kapika, Kende Kinangaba Kabila, Mayamba, Serge Mayamba et tout ça. C'est de combattre dans Kabound. Kabound était à l'intérieur en Boka. Kabound a eu Kouya. Tango, papa, tu sais que les assises sont vraiment affaiblies. Donc Kabound ne comprenait pas. Vous vous souvenez qu'après, il y a papa et chance dans le monde. Le président Martin Fayulu avait dit, moi, nous restons dans l'assemblement, pas parce que nous pensons que Félix est un bon leader, non. Pas parce que nous pensons que Félix est trop jeune, non. Mais nous restons parce que nous pensons que
dans la vie, il faut défendre les idées, les valeurs. Alors, on a créé le rassemblement avec Tien Tshisekedi Mulumba, à Keya Tikibiso. Et pendant ce temps-là, Kabounou n'était pas là. Mais je me rappelle qu'il y a ville morte, Mokoto Tchak ensemble. N'avait un ango d'un commun encore tout le bino, tout reporté parce que Fongito au moins une semaine. Tu as eu décision que tu reportais ville morte, une anecdote. Tant que Tobimi, jamais Kabounou a eu décrété ville morte. Improviser la semaine avec ce tour la bande à couper au ville morte là-bas une heure à ville morte et dégainé on est au mabiso et des pinces tout et tout coucou salato ville morte à l'ézaka échec et mon aîné échec et moutoumo côté n'a qui ça ça qu'à la peut-être déjà même cabou de mon affaire c'est débat d'un coup de ville morte à mon préféré ça soit du avion tout mon nom bah voilà ça fait que c'est un avion avec n'a pas tout à même à coca bon à première classe échec dans toute la ville bah tu as vu ma bataille bah c'est comme ça ma casse fils à benga la bino bolimbi ça. Jamais Kabounde, ma précipitation, moi étant dans un groupe, il faut que. Nicolas, il dépèse. Et ça, c'est un échec. C'est parce qu'il ne comprenait pas qu'il dépèse Tien Tshisekedi Mulumba n'était pas égal à il dépèse Kabounde. Population, chaque monde demande Tien Tshisekedi Mulumba. Il y a un peu de vos mêmes stratégies. Maman. Il y a un peu de. Il y a un peu de côté à Bandal. Il y a un peu de côté à. Il y a quelqu'un au magasin, à la pose d'argent dans l'île. 60% qui ça, ils attendent. Dans toutes les villes, dans toute l'histoire, les Machiavel, chaque leader a un fief. C'est comme ça. Et on a pas les fiefs, il y a en haut, la même trace, il y a un des coups. Si Tien Tshisekedi Mulumba a combattu Mobutu, c'est Atikala populaire et Alichan. Il y a eu ça. Depuis le peu, même si on a dit que Barombu Tete, il y a un combat qui ça. Mon thème est Alichan. Il y a un thème qui dans le populaire, par exemple, sur le délire, il y a Tchang. Les lots, Tchango, ils allient dans 9%. Il y a fallu, dès qu'ils appellent dans 9%, Tien Tshisekedi Mulumba. Pourquoi la police a fait voter dans Tchango? C'est lui qui a fait voter dans la liberté. Pour n'avoir qu'à délecter la liberté. À qui faut voter dans Tchango pour aller? À quoi vous avez qu'à délecter la liberté? Nassimara, il y a une école, petit disciple. L'église n'a mis sur la bande. Pourquoi qu'elle a voté quand elle a été? Félix a l'onda, il m'a fait voter dans Tchango. Pourquoi? Mais malgré cela, il ne s'est pas voté. Il ne fallait pas battre. Il n'a même dit de voter à voter. Il ne fallait pas venir Bolsonaro. Alors, Ndeko, c'est un parenté pour dire que les hommes de Dieu, ce que nous leur demandons, c'est quoi? Nous leur disons, tant que Bissot, bateau, tu as un pasteur, tu as un conflit entre Bissot, surtout nous les politiques. On espère que Bangonde, les hommes de Dieu, ou bazar neutre, ou sans être neutre, va réconcilier Bissot. Mais si Bango Moko va tout tirer dans mon thème, va commettre un conflit. Qui va les réconcilier? De Komboso. Qui? De Komboso, le président de l'Assemblée nationale. C'est parce que vous manquez de moi ou vous faites une blague. Mboso a son avenir derrière lui. Qu'est-ce que Mboso a encore à perdre? L'avenir de Mboso est derrière Mboso. Vous nous dites que quelqu'un, Mboso. Est-ce que vous le langage à Mboso Tawaza Koloba, tu te dis ça c'est du mobutisme pire et dur. Cet homme là moto autiko sunga na katia di solo on a pesi 48 heures par rapport il y a calendrier au bazaki kozela a sungi bango bazonga pour na ko solo là, n'est-ce pas qu'il a sali ko jouer médiation il y a madame Benza pour na ko sunga ba de pays confession religieuse ba kende bon na ko trouver consensus bi biblie et lobi vigno akala. Ce qu'on sent ici, on a vigno à Sika. Mais surtout, comme on a vigno à Kala. Comme on a déjà qu'on bosse, rien que le fait que Félix s'attache et compte ces gens comme ça, c'est parce qu'on bosse tout ce que Félix lui dit, il dit oui. Et il a battu. Moi, il a battu Félix à Simbakaï. On dit son premier fils. Moi, il a bossé. Dès que tu as confiance. Et il collecte sa confiance au moto, à Zaline, vis-à-vis à moto. Et pour ça, Kabila, le temps, on a battu Azil, le beau qu'on a eu, moi, ça tient à Kingo. Dès qu'on peut faire ça, pour ça, l'ango. Donc, même homme de confiance à Kabila, selon vous, et homme de confiance à Félix. Mais finalement, on défend quoi dans la vie? Il n'y a plus de principes, il n'y a plus de limites. Tu ne peux pas être homme de confiance à Mobutu, homme de confiance à Kabila, homme de confiance à Félix. Le Rekuna, homme de confiance, c'est à Fayoulou, homme de confiance, c'est à Prince Pengue. Ça ne se fait pas comme ça. On ne peut pas être l'homme
plutôt la femme de tous les hommes du monde. Non, la à un moment donné, de comprendre non, la politique n'est pas dynamique. Moi, je ne crois pas que la politique soit dynamique. Politique conçue comme ensemble des valeurs et des principes ne saurait être dynamique. Par contre, les stratégies politiques peuvent être adaptées. Moi, je pense aujourd'hui que le Rwanda est une menace. Je vois comment, d'après d'ailleurs, le rapport du ministre, quand les Nations Unies sont sous, quand le rapport est venu deux semaines, on vient d'attester que le Rwanda continue à être au Congo, continue à exploiter les richesses du Congo. Richesses. Malgré ma carte, c'est le signe à Bangota avec le gouvernement à Goma. Pendant 12 jours pour préparer la vie à Kadam et Nagoma. Malgré encore, on a eu l'obéité. Ça veut dire qu'exploiter ici. Oh, il y a Rwanda, il y a Congo. Et qu'il y a en Rwanda pour avoir traité, on va transformer, pour avoir créé dans le Rwanda. Malgré cet accord, parallèlement à cet accord, les Rwandais continuent comme ça à ne pas faire. Illégalement. Je vous dis, personne ne créera le Congo dans le Congo comme Félix a tenté de le faire. Moi qui pense qu'il est convaincu autant. Que Rwanda continue à être menacé par les Rwandais officiels comme un peuple. Avec le peuple rwandais, on n'a aucun problème. Quand je parle du Rwanda, il faut bien m'écouter. Le Rwanda comme régime. Les Kagame. Kagame. Parce que certainement que nos enfants, nos petits-enfants, finiront par commercer avec le Rwanda, avoir de bonnes relations. Parce que c'est un pays voisin qu'on ne saura jamais arracher de la carte. Ça, on est condamné à vivre avec le Rwanda côte à côte. Le peuple congolais, le peuple rwandais. Mais le régime qui pose problème, c'est le régime de Kagame. Qui ne peut pas concevoir l'avenir du Rwanda autrement qu'à l'époque de si les détournements, les vols de richesses du Congo. Comment je peux partir de cette fois pour dire demain à Congo, non, Rwanda, Zamalam et tout ça, parce que Batsenga, moi, 2 millions dans le. Non, politique ensemble des valeurs n'est pas dynamique. Les stratégies peuvent être changées. Déjà, voilà. Ce qu'on n'a pas obtenu par la gauche, on peut l'obtenir par la droite. Mais pour atteindre le même objectif, qui est l'objectif de promouvoir le bien-être communautaire. Le bien-être de la société. C'est comme ça que je conçois la politique. Batouba, la politique est dynamique. Bahati est avec Kabila. Dans tout le coup avec Kabila. Pendant 15 ans. Kabila ne peut pas te garder au pouvoir pendant 15 ans si tu n'es pas son enfant chéri. Et tout à coup, Ndeko Bazila, c'est pas Bazila. Il a dansé pour Kabila. Aujourd'hui, Ngoïka Sandi. J'ai vu encore l'autre type là. Comment il s'appelle là? Celui qui a été ministre des Sports. Kalambaï, comment? Kambaï. Denis Kambaï. Kambaï, Denis Kambaï. Ce type-là, qui nous a fait c'est tout. C'est un sénateur. Tu sais, laissez-moi vous dire, ma soeur, aimons ce pays. Prince Ping, je parle de la logique qu'aimer ce pays, c'est maintenant le temps de dire la vérité. Quand nous étions avec Félix, moi j'étais, je voyais là, Tokéina Faden, président Fayou Luna Félix, Bakéina Sima Pissini, président Fayou Luana, Baké Kouna. Comme on en a vu ensemble, comme des frères. Félix est venu régulièrement. Autant que régulièrement, on se voit aussi alimenter. Il n'y a aucun problème. Nous sommes des frères congolais. Mais dites-moi, à cette époque, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur Félix, les Kambaï et les autres là? On a traité de tous les noms. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de niveau et tout ça. Aujourd'hui, le dynamisme, il y a la politique. Il y a politique. Quand tous ces gens disaient ça, de Félix, il partait du fait qu'il n'a pas de capacité, il n'a pas de valeur, il n'a pas de projet pour. Aujourd'hui, s'ils veulent soutenir Félix, il faut qu'il nous démontre si Félix a maintenant un projet, s'il a maintenant des idées, si maintenant il porte des valeurs, et comment, c'est pas un coup de baguette magique, parce qu'il y a une façon pour arriver à des idées, à concevoir. Mettez le point, pour le voilà, point A. Beaucoup m'en a point B, beaucoup qui ne le lingénie. Alors, la peine d'électricité, tant que la prise est haute, la prise est haute. Il y a toute une science là-dedans. De l'électron, déplacement, de l'électron, il y a toute une science. Il faut que tous ces gens, quand je vois Kambaï, comme vous l'appelez, Denis, dit aujourd'hui, Félix est l'homme tout seul, l'homme parfait, l'homme doit avoir un deuxième mandat, encore que le premier, il faut nous dire comment il a eu. Je me dis, tiens. Et c'est ça, c'est cette logique-là qui, je me dis, nous, moi, je me juge, je réfléchis, je me dis, non, nous on a l'obligation, pour ne pas dire un devoir,
des fermiers et ne distinguer entre ta dîme. Parce que ça, c'est là qu'aujourd'hui, maman, va à l'intérieur du pays. Va chez moi à l'Odja, allez voir la pauvreté. Est-ce que vous, vous partez à l'Odja? Écoutez, et dans deux semaines, tout le monde a la pince ça, peut-être qu'on accompagne. En tant qu'on a un. Ma tembe dans la tête, peut-être, tu vas foutre un billet d'avion. Bah, c'est sûr que billet d'avion, il est comme à ce que à moitié, on verra. Billet d'avion et qui dit. Et j'ai voulu dire. Allô, il faut couper ça quand même, mais merci, parce qu'il y a une décompresse, c'est pas grave, vous attendre parler. On dirait dans nos Kendal, ils sont sous l'eau, j'étais, ça fait longtemps. Si le billet d'avion. Ah, billet Zokita. Écoutez, je vous dis. Si le billet d'avion baisse. Et que mon peuple, de Konango, va prendre 370 $. Et que va au Kenya 160, 190 ou 100. Vous avez dit, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. C'est là, quand même, chose. On peut dire Fati Béton. Non, tu sais quoi? Je n'ai pas de principe qu'on ne remercie pas quelqu'un qui fait son travail. Quelqu'un qui est payé pour cela. Même cette volonté-là. Non, ça, c'est des deux. Ceci ne change pas que Félix est un homme élu. Il est un homme élu. Je ne conteste pas. Avant tout l'acte, j'ai dit qu'ils étaient à Yamanga et qu'ils étaient à Safouté. Ne comprends pas ces pingétos, le bimakambo. Donc, c'est ça. Donc, il y a ma père spirituel, oui. Ma papa est molimo. Ndeko chole yemoko na ngambo na ye ndenge yo ozali kotalisa auti kotalisa par rapport à likambo etali dépolitisation ya CENI atali site alobi la moka elle Martin Fayulu ozali extrémiste ozali quand même pour reconnaître hein. Je l'accepte, nous sommes extrémistes défenseurs du peuple. Nous sommes extrémistes, les maniaques du bon sens. Extrémistes comme le papa ce qu'il disait. Radical. Radical, papa Tien, c'est ce qu'il disait, radical et irréversible par rapport aux antivalets que nous avons rejetés. Si Cholet ne se rappelle plus du principe biblique qui dit que ton oui reste oui, que ton non reste non, tout ce que vous ajoutez par la suite vient de qui? Diable. Vient, et vous n'avez pas Zapolo. Ce qui Cholet a Bossani Malubayoana, c'est que c'est très grave. C'est Cholet qui nous a dit. C'est les confessions religieuses au nom desquelles Cholet parlait qui avait dit Nassimayana chez Amalunda. Que maintenant, on s'est rendu compte que la démarche a été un peu précipitée. Massinga, pardon. Il faut nanou, tout ça réforme. Nassima réforme. Après. Tout le monde a banani, bakukamba, baibonga yewana. Bango ma confesseur, il va commettre une erreur de bosona na malunda. Tant que vous êtes obligé près d'un million, la monka na se ambulo, mona ka bisona polypense pinge 4 heures dans ma pekaba jeune na atiang. Bisona met obligé ça bato yewana. Mais, chole baibi, on ne peut pas voler. Baibi, c'est quoi ton projet de réforme et salam? Mais réforme et salamité. Mais quand on dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets, est-ce que les Cholet et les autres ont-ils tiré des leçons? J'ai même l'impression qu'à un moment donné, ma confession religieuse, ma kamba, na ba na nyuana, ma komiko c'était la crise des Alambouk. Obi, maman, tant qu'il y aura crise, on va toujours la vedette. Maintenant, on parle plus d'eux que même des acteurs politiques. Bon, c'est quoi, comme dans le monde de Facebook et WhatsApp, quand chacun regarde, il rentre chez lui, quand Baka il va dans son temple, on parle de lui plus dans le monde politique que dans sa propre église. Alors, il s'est dit, tiens, mais Kopango, et lobby, Kofi Olomide, un mot polémique et puis il a un goût. Quand Baka il est dans la RFI, non? C'est le pire des gratos, c'est pour son église. De notre camarade dans la RFI. Ah, c'est quoi, pour les loups qu'on a mis dans la RFI. Il s'est dit, ben, pourvu que ça vous. Mais c'est une chaîne comme toute autre. Donc, non. Non, écoutez, chaîne comme toute autre, il faut savoir que la RFI, c'est notre monde aussi. Donc, il c'est pas non plus mauvais d'accepter. Ce que je voudrais vous dire ici, nous gardons du respect pour ces gens-là. Vous les appelez des hommes dédiés. Et oui, des vrais hommes dédiés, il y en a.
Tu sais, Roland Dallo, Azali pasteur à Félix. Moi, je vous dis, Prince Peng, vous mettez Roland Dallo, qui est pasteur de Félix, président de la CENI, moi j'accepte. Ah bon? Oui, ça engage. Vous proposez Roland Dallo, pasteur à Félix. Ok. Mais si vous le mettez à la CENI aujourd'hui, vous serez j'accepte. D'accord. Moi, Prince Peng, j'accepte. Est-ce qu'à vous, on est qu'on a partagé avec vous savez pourquoi? Fayoulou? Écoutez, ce qu'on a dit, le rapport entre Prince Peng et Martin Fayoulou, tu peux déduire les risques. Okay. Vous êtes suffisamment intelligente pour le comprendre. Merci. J'ai dit, voilà Dallo Azali, pasteur à Félix. Mm. Après, c'est même maintenant ma prophétie. Hein. Mais moi, crédibilité dans mon départ, pasteur Yohana, c'est un homme de Dieu. Okay. Véritable. Okay. Il craint Dieu. Okay. Donc, j'ai dit, au tiers de la semaine en début. Docteur Nico Guerrero. Écoute, Anna Félix, c'est Anna Félix, tout ça. Bon, tiens, docteur Nico Guerrero, j'accepte. Ok. Mais il reflète de valeur. D'asseoir le Dokamba tient la scène. Monsieur de Dokamba. Mais il y a des gens qui ont été lobbies pour que 1 million de personnes pour que vendre ça à Kamba Malonda. Mais les lobbies ont une capacité ou en a été. Et que excusez-moi, peut-être que c'est très dur. Il y a un million sur 1 million à l'olengewana pour nous vendre des salikambo. Il y a CENI, naba confession religieuse au Basaliko Sangala. Mais pour nous vendre des kokadima. Est-ce que vous vous souvenez, il y a une manifestation où le président de la République qui est élu Martin Fayoulou a convoqué peuple païte. Est-ce que le monde a dit date de fixer qui est marche à la mouque Zalé? Il y a tout le mini Zaliko Zanga. Il y a un beau sala qui est lobby de Bobini Saki 1 million. C'est comme ça. Nous, dans la façon à nous de concevoir la politique, nous mettons tout sur la table. Okay. Toutes les options sur la table, y compris l'article 64. Ma soeur, je vous demande, et vous êtes aussi, nous sommes à la cité. Allez interroger le peuple. Ça va nous balader. Espoir, changement, quand on voit ce qui se passe dans ce pays, c'est tout le plan social, économique, financier, sécurité. La majorité silencieuse à Koloba. Quelle est la température? Dans le bateau, il y a le bateau. Il y a le bateau. Il y a le Congolais. Où on ne saura plus rien arrêter. Nous sentons, nous savons ce que nous faisons. Jusque-là, la Mouka n'a pas encore appelé le peuple à sortir dans les rues pour contester Kadima. La Mouka a organisé la cité. Tout la cité n'a pas tout, les alliés, Batubaza Koya, tout ça. Mais remarquez-le comme toutes les manifestations organisées par la coalition de la Mouka. Quand je dis coalition de la Mouka, je vois le président de la République, Élie Martin Fayoulou. Et les coordonnateurs de formation. Parce que depuis tout ça, l'action, depuis quand la publicité Félix Tshisekedi. Toutes les actions, autres, même avant que Katumbi n'a pas eu comme un union sacrée, Bandoko a sauté. Toutes les actions, manifestations, au commun, les alliés réprimés dans les sangs par la police de M. Félix Tshisekedi. Aux journalistes, en toute honnêteté, en toute neutralité, vous le savez. Mais que nous sommes tous gaz, il y a quand même un mesure barrière et Sengen Nabino peut respecter notre part. Augustin Kabou a été bandou, non? Oki va menacer qui est bandou. Oki va finir qui est bandou. Oki va pécuser, police et pécuser à sa meeting. Assionner bandou, mobimba, sans aucun problème. Va pécuser tête. Ah, là, coroner zate. Mais bisous, tout ça, l'action. Ah, parlement de bois et d'épaisse. Parce que côté, là, on a côté à Gambela, va envahir même une station. Va salir meeting, là, sans problème. Le parlement de Bouya, la Mouka, nous lise, la ville, la ville du commerce, où il y a côté inter, il y a un conseiller à Félix Mouka, il y a un peu de le parlement de Bouya, la Mouka, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Et il y a un peu de temps.
chaque jour. Oui, Pascal, Balongola, Bangwa, Missy Bangonazela, Baté Bangonazela, oui, des personnes qui vont en Zela. Voyez-vous les deux poids de mesure pour vous dire que le système Kabila, les gens oublient souvent que Kabila, ils ont Kabila, ils ont des fous, ils ont des fous, Kabila, le coup, système, ensemble, il y a anti-valeur. Kabila, le coup, système, ensemble, il y a un détournement, il y a un système sous Kabila, ensemble, il y a sauvagerie, brutalité, violence, la menace, il y a mauvaise gestion de Tobane Koloba Ekenda. Malheureusement, Kabila comme individu accueilli, mais Kabila comme système n'a pas bougé. Toujours là. Et tout ça pour ça. Donc, pour Bissot, nous sommes et pas des bino. Ceux qui sont là qui n'ont pas bino, Bossa la. Comment on appelle? Ceux qui sont là qui n'ont pas bino, bon, mais peut-être que ça la. Analyse, il y a. Ba ngambo yandeko abeshole na ngambo yandeko ndeko dodo kamba nani entre les deux bazali bongo koloba kani ni ezali koloba bosolo na ngambo na bino bango nyoso basaki pa na mauvaise direction ezala abeshole ezala dodo kamba basaki pa na mauvaise direction parce que nous les avons dit n'oublie pas que le sali 4 c'était c'est bien la conduire à Moulin de Konanda, Serge Wilu et les autres, avec Iba Mouba, citoyen Lukula Lucha, Etia et les autres, on leur a dit que vous avez quoi bamboite ou vous sans et après vous avez mis sans en la bine. Boloba qui a wa papa cardinal Mbongo, avec tous les respects que je lui dois, a dit Félix Alonga qui m'a pronomité, n'a aucune appréciation à ce moment-là été. N'a si maïe que le banabiso dit mal peut sortir les biens. C'est la continuité. Mais finalement, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez donner? À nos enfants, on enseigne quoi? Que tu peux tricher, tu passes des classes, il n'y aura pas de problème. Et après, quand on organise ça, c'est dans mon salaire, comment qui m'a mon salaire pour diplôme dans beaucoup, mais niveau et qu'on reflète. Diplôme dans la haute. Tout le monde qui a dit, Bobing, il s'abîme sur la confession religieuse. Tu as les trois grandes parties prenantes. Il y a les camps. Des FCC. FCC attaque au Hamabé, ce sont des Congolais. Qu'on ne le veut pas. Attaque à Bonimboka, ce sont des Congolais. Les Mobutistes, ont tué le pays. Mais n'oublions pas que Papa Etienne Tshisekedi dit a commencé avec Mobutu. Azaka ministre intérieur Mobutu. Il a travaillé avec Mobutu pendant 20 ans. Est-ce que c'est pour autant qu'on a dit par la, après que non, Papa Etienne Tshisekedi dit Azazu Congolais? Il est resté Congolais, mais il s'est amendé. Et nous disons trois parties prenantes. Il y a FCC. Il y a union sacrée ou union sacrée, comme vous l'appelez. Il y a l'AMUKA. Trois parties prenantes, toi, va continuer à trois délégués. Les huit confessions religieuses. On dit les délégués de huit confessions religieuses. On s'assoit autour d'une table. Madame, le coup la bateau à Mayeli, tout le coup la bateau à Zelate. Pour n'a qu'on dépolitise CNI, c'est-à-dire que l'on va déléguer au parti politique, que l'on va quatre délégués, mais c'est Chilombo. Kulungula des délégués à M. Kabila va passer une semaine. Pas ce moko. Oh, glissement, il n'y aura pas de glissement. Une semaine suffit. C'est une question de volonté. Voilà, la théorie, ton pratique. Et en théorie et en pratique. Je suis venu à Paléma, Yohana. Allez voir, qu'est-ce qu'il fait? J'ai l'impression que c'est ma député, on va tout faire. Il manque à faire. Je suis venu à Paléma. Maman a député à Vandiboy. A quand c'est à Maman Azana, Nalda, Nalistoa Alda, à ce numéro, à Maï. Zagotia, comment on appelle ça, mascara? En pleine plénière! Maman, mais il y a un débat là-bas. Bon, c'est ça, le Bakuna, il y a Zatia Boy. On a vu l'autre là, à Landiboy, à Zuba téléphone 4. Un député, papa, à Landiboy, 4 téléphones. En pleine plénière! Et quand le vote est engagé, c'est un ami qui dit, collègue, le vote est engagé. Oui, voilà, ok. Le vote est engagé. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? C'est ça le travail de nos députés. Il va voter pour qui? Il est oui, il est non, il s'abstient. Donc, voilà tout le temps, tout le travail pour lequel ces gens ont payé 10 000, 12 000 dollars. C'est le même député qui parle depuis 2006 pour ceux qui sont réunis, c'est le même. Alors, j'ai l'autre le alors, si on veut faire des réformes, madame, on va chuter. Si on veut faire des réformes, réformes, mais quand on a l'air, on a la salle, on a
pour la seconde, nous, le Martin Fayulu a certainement la concession est belle. C'est depuis 2 ans. Voilà, le Baki, je suis pour les élections anticipées. Je suis au monument Mobali, à Tchelingwanda, le coup à moi, le côté à Tchelingwanda, à Télémi. Abi, Bitumba, Eya. Nous sommes dans la banque. Maman, il côté à Tchelingwanda, à Télémi. C'est qu'à ça après? C'est qu'à ça, c'est n'est rien. Martin Fayulu a dit des élections anticipées. Parce que Martin Fayulu sait que changement peut pas le cas qui est été. Bah, quand on va voter qui est massivement en 2018, bah, coup finalement, ben, vrai, un changement peut équité, les a intact. Bah, quand on va aller, bah, revanche, c'est l'histoire. Bah, le Nibas, là, sa Kabila, elle est son vivant. Que tu ne peux pas nous imposer ton choix internellement. Alors, le lobby est d'accord. Félix Antoine Tshisekedi Asolola na table nandeko Kabila bavandi de sous na table bazali. Madame, nous disons que Félix n'est pas un sorcier. OK. Félix n'a pas trahi Fayulu. Il a trahi son peuple et l'idéal même pour lequel son père s'est battu. Il a dit que Kabila était un usurpateur, un imposteur, sa part c'est en prison. Il a chanté ensemble avec le militaire Kabila était un Rwandais. Et après, il a fait de Kabila un Congolais, il a fait de Kabila un allié, il a fait de Kabila son frère, autant qu'il a tenté de faire de Kagame un sanguinaire, son frère, son ami et tout. Et entre temps, Kagame n'a simazo que tu vas Congolais Mbeli à Kubo Mabango. C'est ce qui est le problème. Mais quand le Congo doit avancer, vous allez faire quoi? Tout le monde sait que Félix a trahi. Vous allez faire quoi? Kolongola Félix na Congo que nous voit les bandes. Non. On dit, nous sommes prêts, il y a questionner la CENI. C'est même pas Fayulu qui va aller. C'est même pas Félix qui va aller. C'est peut-être le Prince Ben qui va être là. Peut-être pas Prince Ben, peut-être Nico Maïngele. Mais c'est que vous allez côté ça vous allez coluca mon sala vous allez coluca beau partager pouvoir nande ko Félix Antoine Tshisekedi malgré vous allez côté ça tes allez pouvoir rejoindre Mike na Lolenge et Sengeli. Madame, toi tu m'as connu quand j'étais avec Chaloupa, non? Prince Ben a toujours manger, nourrir ses enfants. Carayote, nakati la muka vous allez la muka El Martin Fayulu. Est-ce que vous savez que Martin Fayulu a été millionnaire? Quand j'ai dit quand il y a 3 millions il fut millionnaire. Non non, a été millionnaire et est millionnaire. Martin Fayulu, ce qui est en train de Martin Fayulu a 5 millions, 6 millions de dollars. Ça dit que c'est un millionnaire en dollars. Au moment où Félix se soit accompli à 1 million, c'est que c'est allé sikos. Donc, les Cambodgiens parlent d'abord de Martin Fayulu. Martin Fayulu aurait pu aller là-bas pour dire Nangiba ministre n'a pas le gouvernement pour négocier. Il avait dit non. Dès que Félix Antoine Tshisekedi a dit il y a un sacré. Est-ce que vous savez que le président Bembe, le président Katumbi, na consultation à Félix, c'est Mark Hamer qui est parti leur dire d'aller. Cet ambassadeur américain raciste, c'est lui qui est allé dire Bukindi. En échange, il y aura des postes. Martin Fayulu a dit je ne suis pas un néo-colonisé. Mais c'est Amel. Et il a dit, même Tango, sous-secrétaire d'État américain chargé de la démocratie, il a dit, moi, Fayulu, je ne suis pas un néo-colonisé. Je travaille avec vous, j'ai étudié avec vous, je ne suis pas un complexé. Cette terre de nos ancêtres, ils ont une vocation à beaucoup mal au coup de la pays. Et ça arriverait un jour. Moi, Fayulu, seul, l'intérêt du peuple m'intéresse. Donc, tu peux tout. Vous connaissez Fayulu de Wolobi. Comme les gens qui, certains qui l'insultaient. Insultaient comme vous voulez.
Mais n'empêche que pour ce peuple, pour notre peuple, pour les Congolais, cet homme reste un exemple. Ok. Alors, de son vivant, les gens reconnaissent que cet homme-là est devenu un modèle pour la génération qui est la nôtre et pour des générations futures. Donc, Félix n'est pas un sorcier. Il a trahi le peuple, c'est une vérité. C'est ce que nous disons. Il reste vrai. Il faut avancer le Congo. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui te disent Mando, tu n'allais pas dire ça. Aux hommes en Mali, c'est ça que les coups d'État en Afrique continuent. Mais les gens qui font des coups d'État profitent toujours le moment des balbutiements, le moment d'hésitation, le moment de troubles, le moment de contestation. Martin Fayulu a dit la réforme est simple. Il a dit depuis mars 2019, je crois un mois après prestation à serment, il y a M. Félix Tshilombo. Il a dit. C'est un homme qui dit les choses aussi au vu de tout le monde et qui reste clair. Parce qu'il y a Santa qui était Kazaki déjà désespéré, Nakati a régime où il s'est retrouvé. Là, je vous apprends un principe machiavélien, un principe politique classique. Un homme politique on l'enterre jamais. Ok. Les jours où un homme politique va disparaître physiquement, ces jours-là ne comptent plus sur lui. Ok. Tant qu'un homme politique vit, surtout dans la crampe de Martin Fayulu. Quand un homme politique arrive à prendre plus de 62% dans une élection présidentielle à un tour. Maman. Mais allez-y aujourd'hui, va faire des sondages. Quand vous attendez des étudiants chanter Martin Fayulu, quand il y a moins de moments, les gens de Martin Fayulu, ça veut dire que Martin Fayulu est là. Nous vous prouverons ça dans quelques temps, vous allez voir. Ce que je vous dis, c'est que nous, ce n'est pas pour négocier, ce n'est pas pour avoir des postes, ça ne nous intéresse pas. Et les nouveaux riches sont là, vous le voyez comment ils sont en train de pavaner avec des Mercedes partout. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le pouvoir pour le pouvoir. Ça vous manque aussi. Tu sais, vous savez, il ne faut pas que je vienne parler de ma vie privée. Comme me disait Chalupa, Chalupa me disait, mon père m'avait acheté un Cadillac en 1952. Vous voyez, qu'est-ce que Chalupa disait? Donc, ça ne m'étonnerait pas aujourd'hui. Père, c'est pas vrai. Quand ma tante qui n'a pas dit, elle a dit, tante, même, et de là, même en 2015, dans le comité. Alors, donc, il ne faut pas que le Wakambola. Nous, on ne veut pas parler de. Pourquoi l'amour pour elle, Martin Fayulu? Nous avons des valeurs à défendre et nous défendons jusqu'au bout. Pourquoi Nanzela Ndeko Kitoko, Devos, Bozaliko Senga, Ndeko Chole, Asenga, Bongo, Nako, retirer ma parole, Naya Kota, Lissate, Lamouka, elle, Martin Fayulu, Ezali Bongo, ba extrémiste au bazar. Non, mais je crois que. Là, ce n'était pas dans les pensées d'Abbé Chole. Bon, comme Abbé Chole parle un peu trop ces derniers temps, certainement que la parole a dévancé, allait beaucoup plus loin que sa pensée. Je ne trouve rien de grave. Moi, je suis un extrémiste. Oui, extrémiste, parce qu'on ne transige pas, on ne baissera jamais la culotte, on ne négocie pas. On ne cherche pas, il n'y a pas de conciliabilité, il n'y a pas à s'accommoder. Quand c'est des antivalets, comme Papa Etienne Tshisekedi l'avait dit à l'époque, on demeure radical contre les antivalets. Extrémiste pour la défense des intérêts du peuple, oui. Parce qu'on reste extrême, pourquoi? Parce que nous, on dit la vérité, rien que la vérité, doit triompher en 2023. Probable coalition. Donc, moi, FCC, même s'il faut appliquer l'article 64, nous appliquerons. Mais ce tir n'aura pas glissement, ça c'est vrai. Ça, il peut même rêver 5 fois. Deuxièmement, il n'y aura pas de fraude. Voyez-vous ce que Félix a fait? Azu Mutunaye a tient la Banque Centrale, Azu Mutunaye a tient le ministère des Finances. Ce qu'on a dit, c'est que c'est que la banque est une bonne réalité. Aïe, ça casse la dinana, maman, moi je ne sais pas comment il s'appelle. Et le ministère, plutôt, na côté, il y a CENI, il y a Kadima. Kadima Oyebi, Azaki expert électoral, la présidence. Nommé expert électoral, la présidente 2019 en 2020, dans le cadre d'un mécanisme et accord au cadre d'Addis Abeba, dans son volet électoral. T'as l'actualité.cd, t'as la RFI, pour mon nom. Problème de coalition. Azu, Moutounaye, Massanaye, Atié, na cour constitutionnelle. Ce qu'on a l'engage de la fraude, c'est ni la cour constitutionnelle. Et vous savez, les élections constituent un processus. Et dans les étapes des processus,
à ce cas quatre personnes, banque centrale, finance, CNI, qui conseille à ce moment-là. Donc, comment on a soukane Félix, c'est là qu'on parle d'une chose, maman. Et là, un conseil qu'elle donne à Félix, qu'il sache que nous ne sommes plus à l'époque de Mobutu. C'est ça qu'à l'époque de Mobutu, Mobutu pouvait tuer, pouvait violer, pouvait enlever, pouvait brimer. Personne n'était au courant. On ne peut plus aujourd'hui diriger le Congo avec les recettes de Mobutu, de Moïse Kabila ou de Joseph Kabila. Ça ne marchera plus. Alors, Ndeko Prince Epenge, probable coalition FCC, Lamuka El Martin Fayulu, ensemble na UNC. Bazali Kotanga Yangolo Lengi. Voilà. Probabilité Zali, ça, c'est votre imagination, c'est votre proposition, ou c'est un cas de figure que vous préconisez. Je n'ai pas compris votre question. Bato Bazali Kotanga. Coalition moko na bas jours à venir. Lamuka El Martin Fayulu ensemble à Moïse Katumbi na UNC Yandeko Vital Kamerhe na FCC ya Kabila. Est-ce que Vital Kamerhe a longué na Union Sacrée arrêté par ministre et le gouvernement? Mazali Kotanga na ebi sibinote. Vital Kamerhe. Mazali Kolobama il s'est murmuré. Vital Kamerhe. Malgré Bazo Memaïen et Chafou Bouakata et Kingo politiquement, a protégé Félix jusqu'au bout. Ça veut dire que son alliance avec Félix dépasse tout entendement. Tout ce que vous pouvez imaginer. Okay. Donc, Vital Kamerhe est avec Félix. Et FCC, qu'est-ce que Lamuka a en commun? Quand je dis a en commun, c'est en termes de valeurs. Quelles sont les valeurs que nous partageons? Ma déclaration à Bino Mikolo, Balobi, Ekomi Moko, Ekomi Penza, très conjointe. Téléphone, Oyo, Ezali, couleur Moindo. Montaigne à Moniango, sur le tunnel à l'obi, n'a pas goûté à l'obi déjà, il m'a dit à Moïd. Dans la crise, il m'a dit qu'il y a un téléphone aux couleurs. Noir. Noir. Bah, tu vas voir, il y a un téléphone aux couleurs. Là, il pense que c'est bon, noir. Mais ce qu'il y a des noirs, est-ce que ça, il y a des noirs? Il y a des noirs, c'est un problème. Donc, comme il y a des FCC, bon, il y a des téléphones de couleurs rouges. Là, c'est logique. Parce que la vie noire, le même moment, la vie non, maman, c'est la pire distraction. FCC. Moïse Katumbi. On sait. Bon, Moïse Katumbi est notre partenaire. Tout ça. Mais qui a nommé conscience. Oh, aïe, lobby et pas nabino. Moïse Katumbi, le baki, a créé tant que la vie, ça, à lobby, batouille, mon tunan de Moïse, ok, oye, aux yeux, avion spécial. La Moukassaï va marcher à wa. Et contre le tribalisme. La Moukassaï va marcher à wa. Contre le génocide congolais. Mais il faut décréter le 2 août, journée génocide congolais, et ça va activer à Mnène. Moïse Katumbi Batrique Koyate. Quand tu as Félix a invité pour une union sacrée, à une jet spéciale à Yéna Kisasa, tu as mobilisé. Les journalistes, j'ai jamais dit que les journalistes l'avaient posé. Pourquoi tu as pas dit que tu as jamais la manifestation de toi à la Moukoma de faire organiser? Moi, je suis venu voir mon frère Félix. Ce que tu fais, Félix, comme tu reçois un aïe, ça c'est le problème. On respecte les engagements. Ça ne nous concerne pas. Mais ce que Balobi a dit, c'est à la maison de Sima. Balobi a dit que la Sima a dit que Denis Sanga. Fayulu a dit que c'est un peuple. Est-ce que vous savez que Denis Sanga a été dans la Mouka et qu'il a été battu en campagne à Kassai, qu'il a été battu en campagne à Kombo et à Félix Tshisekedi? Et il a été dans la Koulouti Nanga Lubaya. Il était avec nous dans la Mouka. Vous voulez soutenir le candidat à la Mouka? La Kéine Nakassai, il faut battre la campagne pour la Félix Nakassai. Mais Baza, il n'y a pas de la Mouka. C'est ça que l'on dit. Il y a eu la G13, il y a eu la proposition de réforme. Il y a eu la réforme et la salamité. Au contraire, il y a aggravé cette situation à la CENI, il y a battu ce nombre de politiciens à la CENI. Il y a ça d'accord. Parce que la réforme à l'Outundoula, dès que l'Outundoula a prévu qu'il y a eu la boïté. On a vidé la loi de proposer l'Outundoula de toute sa subsistance. D'accord, le tundu a été apporté Djamba à Simosele, a décrié. Tous les experts ont dit qu'il n'y a pas eu de réforme. Donc, si c'est ça qu'on constate, c'est que la loi constate. Oui, le problème. Alors, vous savez, je vais vous donner un exemple. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Epeng, comment changer un avis, pourquoi? Ah bien, tant qu'on a mis ça certificat d'enregistrement, il y a le pang à Kaboun de Bolobar, sur le pang à 2 millions de dollars à lui mettre. J'ai dit, oui, mais c'est étonnant. Jamais un Kaboun de Tangayaki, on doit foutre l'andak ou Nakingawa, la voisine n'a pas fait. Je suis à Kingabwa, je suis à 300 dollars par mois. Comment les gens sont à 2 millions de dollars? Oui, parce qu'il y a mon temps. Non, non, non. Mais je suis à Kingabwa, non? Ok. Na, na, tout le monde. On sera ma commissionnaire à Kingabwa. Comment les gens sont à 2 millions de dollars? Mais dans tous les cas, s'il y a des instances qui veulent suivre ça,
c'est pas mon problème. C'est un député national. Mais j'ai condamné. C'est un premier vice. Et pardon, un premier vice, pardon, président de l'Assemblée nationale. Je voulais là cette histoire pour montrer que. Ce débat-là nous a amené parce que Babimisa a certificat d'enregistrement sur Internet. Okay. Et moi, j'avais condamné. C'est comme Ngaï Prince Pengue. Moi, ma belle, Nanga, peut-être, non, on a Selekuna. Attention avec les micros. Peut-être, moi, ma belle, Nanga, Nazar, on a Selekuna. Mon taquet, que j'ai un certificat, Nanga, il y a un document, ça c'est dans l'administration, avec sur Internet. Avec quelle intention? J'avais condamné. Okay. J'avais dit que certificat d'enregistrement jamais Kabound. Même ma tasse est Kabound à Yibaki. Même ma tasse a combien de points à 5 millions de dollars. Ce certificat-là n'avait pas sa place sur Internet. Conservateur à titre immobilier doit être entendu. Quand il s'agit, quand c'est mauvais, pour les amis, pour la famille Nangaï, est aussi mauvais pour la famille à Kabound, famille à Nini. Quand c'est mauvais, je vis, tant que je suis en train de me faire un peu de bête à Félix, je suis en train de tout le monde avait connu, j'avais dit, Félix est un frère congolais. Il a trahi le peuple, il a trahi tout le monde. Aujourd'hui, conséquence, c'est Mbondo à l'Obaki. Comment Mbondo? Mbondo, c'est un monde, on a mis sur. Et chacun est un Mbondo. Alors, ça, ce sont des antivaleurs. Nous, la Mouka, Martin Fé nous a appris à rester constat. Ce qui est ma B, elle est ma B. Ce qui est madame, elle est madame. C'est que Abécho le V, que tout le monde a tantôt tu le dis oui, tantôt tu le dis non, tantôt tu vas yes man, non. Vous allez être réaliste. Non, vous allez être réaliste, vous allez comme un intérêt à peuple. Quand on m'a dit, bo beti maboko, loko la likambo a billet, oyo ndenge nazali kotali sete lobby to après lobby kuna oyo kene ko sala campagne na ngambo ya loja ekiti na 190 au beti maboko. Lobby kuna d'arrêts alimentaires et zali bongo kokita. Ou beti maboko, soso mama asombi 10 dollars carton mobimba. Madame, vous savez, vous voyez que ça n'a que Félix a accueilli au Kaboula la banne à Verny, ba Tchokaris, au Kaboula banne à Sirage, au Botobin à Tchokaris, au Baba Sirakawana. Ils appellent comme madame, non? A occupé le bikuna au Kaboula, maman va coucher dans l'hôpital, va se bazangi, c'est pas ça. L'État ne s'identifie pas à ça. Il y a ceux qui fondent un État. Il y a des décisions et des mesures qui fondent un État. Au moins, nous, voyez, même les dictateurs ont fait des actions quoi, en Dingwana. Mais vous, tout l'a fait. Mais il y a des actions comme ça, tel Bobi, ça, c'est l'État qui a fait ça. Et ça, c'est là qu'on juge un État. Et quelles sont les actions au gouvernement jusque-là, nous avons identifié les indicateurs. Non, pourquoi ça, c'est là qu'on juge un État. Papa, non, on a dit, non, on a dit. On peut même avoir bombo chaque jour, non? Et ça fait mal à moi. Mais est-ce qu'on peut juger un homme par rapport à ce que moi, c'est la bombe comme la mal quand c'est mon bal à seul, va coyer bailler, ça que moi, c'est un peu souhait, le n'est pas requêté famille à moi, si malam. Bah, ça va juger mon bal à moi, il faut que vous fassiez attention. Et après, mon bal à moi, je suis à chaque jour, mon bal à seul, il y a un peu. Mon bal à seul, vous avez un problème de la banne à mon bal de Yohana. Le Félix a quitté le billet d'avion. Encore ok. Le billet d'avion, non, il a quitté. Je suis prêt à vous montrer, rélever à l'élo, vous avez un billet d'élo. Et la colère d'avion dans le billet, le gouvernement a imposé de manière unilatérale. Tu sais, il y a théâtralisation à la vie politique. Bino bongo vous allez combattre ma boko tous les alliés macabre. C'est un peu brûlé côté les mains. Bobi Minanzela, Bolobi Tetala, Balinga qui tire la bise au billet. Bino vous allez côté les mains là. Botabul si peu peu. Ah oui. Bon ami, bon ami. Ah oui. Côté Minanzela. Na macabre est alipé. Bino quoi alors. Ah oui. Autre ma babi. Oh macabre nous a sali à ma bébé. Au même moment, il y a un Félix. Sinon, tu vas le tirer un gelou et bon, un petit gémou. Et après, pour ça que vous critiquez Félix, c'est oh, chaque jour, noyade complet, bah, le balangaï, ou un tribaliste. C'est comme ça qu'aujourd'hui. Il y a solo tolokuta. Mais c'est ça, non? Ce qu'on a dit que tirer un gelou à Félix, c'est donc le détourner 13 millions. Parce que le régime à Félix, c'est un régime à détournement. Ce qu'on a dit, bah, détourner 13 millions, Félix ne sait pas concevoir un projet, bah, le but ou un tribaliste. C'est quoi l'obligation qu'il y a qui n'a guiné ni des poules et abusé, mais il y mettait. Peut-être que vous avez fait, vous êtes tribaliste. C'est quoi l'obligation qu'il y a qui n'a pas nommé,
va vous être tribaliste. Malheureusement, ce débat-là, je ne vais pas entrer. Félix a échoué intégralement, complètement. État de siège, noyade, et un véritable naufrage sécuritaire. Mais malheureusement, comment est-ce qu'on a relevé l'état de siège? On a compris qu'en réalité, l'état de siège, c'est un moyen de négocier tranquillement, sans dérangement, et ouvrir plutôt le Congo, les richesses du Congo, au Rwanda, au Burundi. Au bien, c'est mon papa yemba yembaka. Maman, le bac est en gaï. Et si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. 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 Tu as un peu de il y a Congo et a traité na Rwanda. Or, vous savez, là où on traite une richesse, on transforme une richesse, c'est là où on crée des emplois. Richesse, c'est à Congo. Or, il y a Congo et il crée des missions à Rwanda. Ouganda a vendu le bim, Rwanda a créé par an. C'est au Kukui. Ouganda a eu le bim, 250 km dans Congo. Ouganda a budget à 70% financé par l'Union européenne et les Américains. A construit une zéro par an, a construit une zéro dans Congo. 250 km. C'est un peu cette philosophie, il y a colon. Et puis pourquoi Raya et Kinshasa, Raya et Kinshasa, Matadi va construire en haut, pourquoi? Les Belges ont construit ça pour exploiter les richesses du Congo. Bah, Kaoutchou est dans l'Équateur, où ils ont une province orientale, et il y a un fleuve, et il y a un train, et qui est dans Matadi, et même en Belgique. Et même en Anvers. On n'a pas construit Raya et Wana, Kinshasa, Matadi, pour développer le Congo. Mais pour exploiter les richesses du Congo. Dès le moment où Uganda a lobby, Rwanda a dit oh, bon, dans l'Uganda, Nzela. Mais comprends ça, c'est que le Congo et le Rwanda, c'est que le Congo est en Uganda. Mais comprends ça, c'est que le Rwanda a dit Nzoku. Ndama Nzoku à Congo. Uganda a dit bon, on va Burundi. Mais dans Burundi, il y a un accord. Accord, on compte bien, on a fait ça, on compte bien, on a évité. Tu n'as pas expert, mais il y a même un peu de temps, on a signé un accord. C'est là ici que nous allons mettre point tu sais, hein? À notre émission. Moi, mon grand frère Félix, je l'aime beaucoup. Mais qu'ils comprennent que Ezali Mbondo. Ok. Alors, on comprend ce pingue aussi ici pour aller. La question est à Souka, Potato Kata, émission à Bissot, Péozoa, Lilobanoé, aussi c'est l'émission. Bandeko Balandito, peuple congolais, Azali Kolanda. Parce qu'un de Martin Fayulu Azalina peuple. Lelo, n'est-ce pas Kotalisa. Topengam, bon, n'est-ce pas Kotalisa. Sengeli Bovanda, Nandeko Félix Antoine Tshisekedi. Peuple, moto, Azali ko recommande bino. Parce qu'un de Félix Antoine Tshisekedi, il semblerait, Nandeko Félix Antoine Tshisekedi, a trahi sa peuple. C'est. Et Pengé, prince, oui, Makoko, vous mourrez jamais. Jamais avec des questions pièges comme ça. Je te vois venir avec ta question, madame. T'en fais pas. On ne négociera pas avec Félix pour des raisons que vous pensez. Nous sommes à la recherche de la paix. Notre peuple souffre beaucoup. La pauvreté est extrême, le chômage est extrême. Il n'y a absolument rien. Combien d'emplois Félix a créé? Statistique est à la carte. Quantifier et qu'on pèse à une idée, une proportion. Personne ne pourra vous dire qu'il a créé 10 emplois, 30 emplois. Après, peut-être à la présidence où il a multiplié les conseillers fois 3. Et tous du même temps. Président Fayulu. Pour répondre à la question. Président Fayulu dit ceci. Je suis prêt pour les élections. Je l'ai été dès mois février, janvier 2019. J'étais prêt pour les élections anticipées. On les a pas eues. Je suis prêt à tout moment pour les élections. J'ai confiance à ce peuple. La Mouka a confiance. Seulement, on ne peut pas aller aux élections avec la même CENI. Tout le monde là, composant de politique dans la CENI. Tout le but, tout dépolitiser, puis tout décentraliser. Okay. Dépolitiser veut dire tout le monde là, composant de politique dans la CENI, tout remplacer par la société civile. Étant donné la société civile, ils ont la confession religieuse, ils ont dit oui. Ils ont un syndicat. C'est-à-dire que le magistrat, tout ça, bambo, na katiwana. Et tout décentraliser, c'est ça veut dire quoi? Ou bien, le conseil secrétariat national exécutif, il y a CENI, où le malon d'Abana occupé. Ou en ça, à la cerveau montée. Donc, secrétaire exécutif, il y a CENI, écoute, ils ont ce pouvoir mini-colique.
mutuma wakoza kuzaa ebele bongo tete kwa manjipe ba resulta to eklata mwa toa sekretaria wa okipe na ka administration wa okipe na opération et cetera de toa wana comme ça pouvoir ils la balancer pour mutuma wakoza a décidé à faire balancer histoire mais question en cas ils ala ki denge mais pas pour arriver voilà pour y arriver Est-ce peuple né à recommander de Martin Fayulu tobo sali ko sala yango mais tout ce que fait Martin Fayulu tant ba ko sala makamba concertation ce concertation monsieur Chilombo peuple qui commencer devant Martin Fayulu il a filmé alors bi toboy l'idée une sur la muka a une union sacrée et aller une vaste escroquerie. Alors peuple la zone ici malelo a lobi boké non peuple la zone ici maté au Félix Antoine peuple a lobi ngai na okata le kambo oyo na maponomi ok fais ça quand c'est que 5 ans à 1000 ans et le fait à nous si quoi il pense qu'il peut continuer comme il a dit j'ai droit à un deuxième mandat non on n'a pas droit à un deuxième mandat on a droit à être candidat Deuxième mandat, c'est le peuple qui décide qui va avoir deuxième mandat, qui va avoir un mandat. T'as aussi les six points. Alors, peuple a besoin de s'y mater. Vous pensez que quand Martin Fayulu dit que non, il faut un consensus. Bon français en Guana. Un consensus. Consensus veut dire quoi? Bon, le mot au peuple a qu'à comprendre. Bon, consensus, c'est la même chose. Les dialogues étaient. Consensus, c'est la même chose. Les solotés. Mais, pour la partie de la Guana, il ne faut pas se faire, non? T'es solo là. Oh, on a des consensus, ça dit quoi? Bolo banamangwa mona lingala, oh bolo bakana chang. Ya lingala, le lingala ko la ni. Élection la ni kambya mutu mon côté. Oh ngai Félix na bimi pomba ngana ko ganze de sengi ya lingi. Ne kabila ngasta no. Mais suka suka de. Kabila de atologo le tule bomo ni bolu na. So ko bamo bamo na bolu na bamo. Tere mona ngai. De ma passe to ki to si si po la ni. Ya ban na ban. Merci. Fais ça la ni descendre et tenir sekega mon. OK. Prince Pengi descendre à le monde. OK. To si li si po na lelo. Nana kubanga samoninga. Alité? Félix Abunda bitu mpo indépendance. Nani akubanga samoninga? Nana zani ndeko Félix Antoine Tshisekedi té mais moto akubanga samoninga zani moto a se préparer convenablement pour na ba élection. Mais tout ce que il est na vérité de madame. De comprendre c'est pas madame. Ici pour aller. Quoi qui arrive? Boza ko se préparer. Mais quoi? Lelo na bila na be Félix Anango. État de siège. Zéro. Si les genoux et bon, on est tigé sans eux, que le bâton de social, économie, n'en parlons pas. Détournement, régime à détournement. Nabila Wana, à table aux huiles, l'eau et Bembe, candidat opposition. Face à Félix, c'est ce que dit Bembe que l'on va l'élection. Merci beaucoup, Ndeko Prince Epeng, et je rappelle encore une fois, Théozali, président, il y a ADD Congo, parti cher, il y a Ndeko, paix à son âme. Chaloupa et merci na bande konyon so balandi biso de partout au pécho merci ndenge ondima qui ko répondre à l'invitation na biso à mokolo alelo merci beaucoup à Valdingi Tuka na régie merci à Olivier derrière la caméra merci na bande konyon so balandi biso botiki ba commentaire tous ali fier na bino pour vos ali 143 000 abonnés au bolana rabiso pe bosala kabiso confiance to ko continuer ko sala mosala parce que les ali mission na biso ko pe sabino ba information en boka na lolenge singe Et tout à l'heure, c'est bye. Ayez du nouveau à Kinshasa, le complexe hôtelier Tremplin Royal sous Kanamasulo. Vous qui désirez passer des nuits inoubliables, l'hôtel Tremplin Royal vous offre un service de haute qualité, de chambres modernes répondant aux standings internationaux, salons et salles de bain bien équipées. Votre sécurité est assurée, les portes électroniques et même un coffre-fort dans la chambre. Tremplin Royal dispose d'un restaurant VIP, des plats de différents goûts à un prix hors concurrent, de boissons de toutes marques accompagnées d'une musique douce. Ce n'est pas tout. Pour vos déplacements, Tremplin Royal met à votre disposition une voiture pour tous vos déplacements. Et un groupe électrogène industriel pour faire face à la coupure d'électricité. Pour vos cérémonies de mariage, de collations, spectacles et autres événements, Tremplin Royal met à votre disposition une salle de fête de 300 places avec un décor de couleurs selon votre choix.
Nous sommes situés au numéro 23 de l'avenue Aérodrome dans la commune de Barumbu. Référence, stade municipal de Barumbu. Pour tout contact, appelez-nous au 081 570 78 00 09 98 55 22 96 et Salemananouté. Le complexe hôtelier Tremplin Royal, le confort et les nôtres sous Kanama Solo. Chez Tremplin Royal, Kano Kakae. Mission TV, le miroir du monde.